Mon commissaire, vous êtes pensif. Des soucis? Votre épouse? Savez-vous que j'ai rencontré la fille de ce criminel en allant au tribunal? La fille du docteur Mangabel? C'est grâce à elle que ma femme a eu la vie sauve. Quoi? Elle est médecin? Qu'est-ce qu'elle voulait? Sauver son père. Ils sont toujours très proches. Et je suis sûr qu'elle vous a proposé une mallette de billets de banque. Peut-être elle avait l'intention, mais elle a parlé d'autre chose. Elle préparait sûrement le terrain. Je lui ai conseillé de trouver un très bon avocat pour son père. Mais elle avait l'air tellement sincère dans ses propos. C'est son père. Rien de surprenant dans son comportement. Ce médecin a pris soin de ma femme sans jamais demander quoi que ce soit. Elle vous connaissait sûrement, mon commissaire. Elle ne savait pas que je suis flic. C'est moi qui lui ai filé l'information. Mais qu'est-ce qu'elle voulait? Pourquoi vous souciez d'elle? Elle pense que nous sommes dans l'erreur. Mais qu'elle ait simplement jeté un coup d'œil dans le dossier de son père. C'est simple. Ah, chérie. Salut. Je peux savoir pourquoi un tel comportement? Tu peux m'expliquer pourquoi tu ne prends pas mes appels? Tes appels? Pas possible. Tu vas devoir m'excuser. Il est carrément sur silencieux. Je suis sûre que c'est un prétexte. Tu ne peux pas passer toute une journée sans faire signe à celle que tu prétends aimer. Comment je fais pour te prouver le contraire? Je te dis pourtant la vérité. Tu peux le jurer. Si c'est ce que tu veux, je suis prêt. Mais j'ai horreur que tu doutes de moi. Si tu étais à ma place, qu'est-ce que tu ferais? Chérie, c'est juste un malentendu. Dis-moi, qu'est-ce qui t'a bloqué? Tu te souviens des soucis dans l'entreprise? Oui. Eh bien, ils sont résolus et nous avons fait une fête. Wow. Une fête? Eh bien, faisons la nôtre ici maintenant. Superbe idée. Donne-moi une minute. Et quel est ton souci? Papa est en route pour la prison. Et de qui tu tiens l'information? Maman, je ne suis plus un enfant. Je sais ce que je dis. Papa est coupable. Tout l'accuse. Et qu'est-ce que tu attends de moi? Les dossiers sont dans vos bureaux. Maman, tu peux quelque chose? Demande-lui de trouver un avocat. Calme-toi. Il s'en sortira sûrement. Maman, je ne peux pas vivre sans papa à mes côtés. Ah, n'exagère tout de même pas. Ce n'est pas la fin du monde. Nous allons faire une fête. Et si tu pouvais être là? Je t'envie, mon ami. Mais nous, la situation de notre père ne nous permet rien pour le moment. C'est un mauvais vent qui passe et il va s'estomper. Non, je ne pense pas. Le cas de papa se complique de jour en jour. Je te comprends, mais ce n'est pas une raison pour refuser de vivre. Et s'il mourait? S'il te plaît.
Je ne veux pas parler de ça. Allez, détends-toi. Ça va aller, ok? Bonjour. Depuis quand tu salues les gens comme nous? C'est nouveau ça. Flore, je pense qu'on a fait la paix dans cette maison. Tu sais quelle situation nous traversons? Tant mieux. Je te présente mon amie. Elle s'appelle Karine. Karine. Votre prénom vous ressemble. Vous êtes une femme d'une beauté incroyable. Vous êtes resplendissante. Le genre de femme qu'on aimerait voir tous les jours. Arrête ça! Il faut respecter mes amis. Mais je n'ai rien dit de mauvais. Il me semble que je vous ai tout simplement complimenté. Top, Daniel. Je te connais très bien. Mais surtout, ne l'oublie pas. Elle n'est pas ton genre. Allez, s'il vous plaît, vous n'allez pas vous disputer à cause de moi. Voilà. C'est ça qu'on appelle le bon sens. Alors, c'est madame ou mademoiselle? Silence. Ok. C'est bon, j'ai compris. Il est insupportable. Plutôt intéressant. C'est parce que tu ne le connais pas. Essaye et tu verras. Waouh! Quelle beauté! Je me souviens quand j'étais encore moi-même, n'est-ce pas? Oncle, s'il te plaît, respecte mon ami. Tu es toujours comme ça. Qui a demandé ton avis? Laisse-la donc se plaindre, n'est-ce pas? Non. Tu n'as pas le droit. Tu connais mon nom. C'est Joseph. Ça vient des profondeurs de la Bible. Je suis le Père de Dieu. Et tu connais aussi mon second nom au village. On m'appelle Sop. Sop, le savon. Dites-moi, avec quoi lave-t-on le savon? Rien, n'est-ce pas? Monsieur, respectez-vous. Je te prendrai comme ma 8e épouse. Je connais ton remède. Circule avant que je n'appelle maman. Vite. Ma beauté, je me battrai de toutes les forces. Je battrai avec toutes mes économies pour t'avoir comme mon épouse. Tu n'es pas surprise que je t'ai invitée ici? Ah, on ne refuse pas l'appel, Sonia. Je ne te la prends pas. Parce que j'ai l'impression que tu m'évites depuis quelque temps. Sonia, nous sommes des vieilles connaissances. Je ne peux pas troubler tes relations. De quoi tu parles? Mais Sonia, tu te souviens de ce qui m'est arrivé le jour où on a croisé ta copine qui est magistrate? N'exagère pas. Toi aussi, assieds-toi. C'était juste un petit malentendu. D'ailleurs, j'ai déjà tout arrangé. Sonia, elle m'a boudée. Ça, tu ne peux pas le nier. Je te comprends. D'ailleurs, tu auras l'occasion de causer avec elle.
puisque vous fréquentez la même église. Ah, mais dis donc, tu es renseigné, hein? Tu as entendu parler de cette histoire de médicaments? La justice va sanctionner les auteurs. D'ailleurs, j'ai perdu une amie d'enfance dans cette histoire. Mais pourquoi me poses-tu cette question? Ça m'est venu comme ça, puisque tout le monde en parle. Sonia, les gens ont le cœur. Tuer des êtres humains pour de l'argent? Mais si je pouvais rencontrer ces auteurs, je ne sais pas. Je vous remercie pour la confiance placée en moi. J'espère réussir. Maître, est-ce que notre père a une chance? Ce n'est plus le moment. Les faits reprochés à votre père sont graves. Mais nous nous battrons. Maître, soyez clair. Nous voulons savoir à quelle sauce il sera mangé. Je sais qui est chargé de son dossier. Nous verrons. Est-ce que nous pouvons le rencontrer? Vous comprenez ce que je veux dire? Marcel, n'aggravez pas la situation. Tenter de corrompre un magistrat ne sera pas une bonne chose. Mais papa, nous ne serons ni les premiers ni les derniers à le faire. Alors ceux qui le font habituellement, c'est parce qu'ils se reprochent des choses. Mais moi non. Sois réaliste. Je vous en prie, laissons parler l'avocat. Le juge s'appelle Ebongé Lisa. Qu'est-ce que vous avez? J'ai dit quelque chose d'incorrect? Je vous l'avais bien dit, l'idiote. Elle a tout manigancé. Elle envoie à mon mari. Je ne le laisserai pas faire. Tu ne feras rien, Marcel. Laisse la justice faire son travail. Jamais. Tu marcheras d'abord sur mon cadavre. Qu'est-ce qui se passe? Le juge et son ex-épouse. Elle n'a pas supporté le fait qu'il ait quitté. En tout cas, vous n'êtes pas concerné. Je saurai quoi faire avec le docteur. J'ai cru que tu n'allais plus rentrer. Tu as changé de programme? Pas du tout. Je t'avais parlé quand même de mes locataires. Ils ont libéré le lieu et je t'ai fait la propreté. Bientôt, je vais m'installer chez moi. Et moi, retrouver ma vie de solitaire? Ah, je ne pense pas. Je ne pense pas. Ah, comment va l'élu de ton cœur? Elle était ici comme convenu? Elle ne décroche pas au téléphone. Sans doute, prie pas les urgences. Oh, j'adore son métier. Alain, dis-moi un peu. Tu es au courant de cette histoire de médicaments vendus qui ont décimé les populations? Honnêtement, je ne m'intéresse pas aux informations. Tu sais à quelle heure je rentre? Alain, ça a tort. Tu as l'obligation de savoir ce qui se passe dans ton pays. Si moi, Naomi, je pouvais attraper ces criminels, je les réduirais en bouillie. Comment pourtant sacrifier les vies entières pour de l'argent? Waouh, tontine, tu es vraiment fâchée, je ne t'ai jamais vue comme ça. Figure-toi, Alain, qu'à cause de ce genre, je te perdais. Comment aurais-je pu vivre? Imagine un peu si c'est toi qui me perdais. À cause de ce tontine, putain écoute. De merde. Calme-toi. Calme-toi. Laisse la justice faire son devoir. Ça sera le sujet de mes prières à l'église. Il faut que Dieu agisse. Marcel, tu n'as aucune raison de te comporter comme une enfant. Tu imagines ta vie en prison? Tu ne sais pas ce qui t'attend. Où est la foi, Marcel? Tu passes ta vie dans des églises. C'est le moment précis d'invoquer Dieu de me venir en aide, Marcel, à moins que je me trompe. Ouvre les yeux. Cette femme a tout manigancé. Elle veut te voir souffrir. Je ne te reconnais plus. Je ne reconnais plus la femme que j'ai épousée il y a plusieurs années. Marcel, tu t'es métamorphosé. Cette femme que tu veux voir souffrir, oui,
Tu veux me faire souffrir en allant en prison? Lisa ne connaît rien de la Sodim. Elle n'a jamais travaillé dans cette société. Tu lui en veux pour rien, madame. Ne sois pas bête, ne sois pas bête. Elle a certainement acheté tes collaborateurs pour te mettre dans la merde. Dis-moi concrètement, qu'est-ce que tu reproches à Lisa? Ah bon? Tu la soutiens maintenant? Ok, tes filles seront mises au courant. Bonjour, mon commissaire. Bonjour. Ça va? Bien, mon commissaire. Du nouveau? Votre informateur a raison. L'ex-député n'est pas seul. Il y a des personnes haut placées derrière lui. Si l'ex-député est lui-même sur le terrain, ça veut dire qu'il n'est qu'une couverture. Vous êtes sérieux, mon commissaire? Un ex-député? Mais ce métier m'aura montré de toutes les couleurs. Nous sommes sur la bonne piste. Connaissez-vous le juge qu'on a désigné pour l'affaire du docteur Mangabel? Son ex-épouse. C'est pas possible, mon commissaire. Ces gens ne peuvent pas faire ça. Cette femme ne va jamais le condamner. Elle va le libérer. Et c'est mort. Qu'est-ce qu'on en fait? J'ai eu la même réaction que toi. Connais-tu comment on l'appelle là-bas? La dame de fer. L'incorruptible. Tu peux dormir tranquille. Allez, bon boulot. Tu peux rentrer chez toi. Bien, mon commissaire. Vous devinez les raisons pour lesquelles je vous ai appelé? Maman, si c'est par rapport à papa, nous pensons que c'est mieux de laisser tout ça. Mais des sujets peuvent être abordés de manière différente. Nous devons sauver votre père. Qu'est-ce que tu proposes, maman? Votre père doit contester cette femme juge. Mais c'est quoi ton problème, maman? Si on change maman Lisa par une autre femme, c'est elle que tu vas accepter? Réfléchissons un peu. Mon mari demande et obtient le divorce alors que moi, je ne veux pas. Où veux-tu en venir? Votre père a obtenu le divorce contre l'avis de cette Lisa. C'est faux, maman. Nous connaissons la vérité. Maman Lisa ne voulait pas partager son mari avec toi. Alors c'est elle qui a demandé et a obtenu le divorce. C'est ce qu'elle vous a raconté? Vous osez me tenir tête, moi qui vous ai donné la vie? Vous voulez être maudit? Doucement, maman. S'il te plaît, essaie d'arranger ce problème avec papa. Nous, on n'a rien à dire là-dessus. Vous devez soutenir votre père. Mais c'est ce que nous faisons depuis là, maman. En étant avec cette femme, vous le poignardez dans le dos. Je vois que je n'ai plus rien à foutre ici. Moi, je vais attendre les consignes de papa. Maman, tu n'oublies pas que toi, à cause de toi, nous, tes enfants, nous avons raté une bourse pour l'Europe. On peut savoir d'où tu viens? Tu n'es jamais à la maison. Ton problème, c'est quoi? Mon problème, c'est que tu as vidé ma marmite. Marmite, on se connaît, n'est-ce pas? Toi qui as grandi au village, tu courais dans les cavanes, les prairies. Tu partais boire l'eau du marigot. Grâce à les eaux du rural, tu es venu en ville rencontrer mon frère docteur. Ta famille n'a même pas les moyens pour s'acheter une marmite. Tu oses me parler fort? Si je lève seulement un seul doigt, mon frère va te foutre hors de ce palace. En entendant qu'on me fout hors de ce palace, tu vas voir. Hé hey, maman, qu'est-ce que tu fais? Hé hey, maman, oh maman, calme-toi. Tu vas voir, laissez-moi. Laissez-moi. Calme-toi, maman. Viens, il t'attend. Je vais te montrer. Viens, je vais te montrer. Heureusement que j'ai vendu mon totem.
Qu'est-ce que tu penses de cette situation? Laquelle? Qu'est-ce qui t'arrive? Je parle du cas de notre père. Ce n'est pas un autre niveau. C'est plutôt le cas de maman qui pose problème. Tu vois, tu me rejoins. Maman est chargée de décider du sort de notre père, son ex-époux. Et où est le souci? Que ce soit elle ou un autre, qu'est-ce que ça change? Et si maman Marcel avait raison? Vraiment? Qu'est-ce que tu proposes? Nous allons demander à maman de ne pas juger papa. S'il te plaît, Angèle, papa nous a demandé de ne rien faire. Son avocat, c'est ce qui est mieux pour lui. Faisons un tour chez elle. Ça ne coûte rien. D'accord? Si tu veux. Voilà. Je ne juge pas votre père. Je juge ses actes. Ne jouons pas sur les mots. Tu es chargé du cas de notre père. Et nous sommes ici pour te demander de laisser tomber ce dossier. Tu refuses de comprendre qu'elle a tout manigancé? Elle lui en veut. Elle n'a jamais supporté le divorce. Daniel, c'est encore mieux d'être abandonné que d'être avec sa propre famille alors qu'il y a manque de confiance. Oui, ma famille ne me fait plus confiance. Écoute, papa. J'essaie tout simplement de me mettre à la place de toutes ces personnes qui ont perdu un membre dans cette histoire. Mon amour, alors pourquoi tu m'évites? Tu dépasses les bornes. Je n'ai jamais passé une seule journée sans te donner de mes nouvelles. Patrice, ne me cherche pas. On a un couple, oui ou non? Alors, tu penses que je ne peux vivre que de tes nouvelles? Hein? Où est la place de votre père dans vos actes? Sa place est ici, là, et tout ce que nous faisons, c'est pour lui. Votre comportement me déçoit. Moi qui croyais que nous allions agir en rang groupé. Ok, demande l'avis de ton mari.